Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, de retour sur Project Cars. Donc, je vais vous présenter la dernière voiture du DLC. Donc, la McLaren F1 GTR Long Tail. Donc, aujourd'hui, pourquoi je suis dans le menu classement? Eh bien, parce que monsieur Alassane D m'a défié, donc lancé un défi. C'est de faire un petit chrono sur le Nordschleife. Donc, lui, il m'a dit qu'il a fait 6,34. Donc, 6,34. C'est classé entre le 16e et le 18e mondial. Donc il est sur PS4, hein. C'est pour ça qu'on ne le voit pas, je pense. Il m'a même dit que des fois il a fait des 6,30. 6,30, ça voudrait dire qu'il serait aux alentours des 15e. 15e peut-être. Allez, 15e mondial. C'est très très bien, franchement. Parmi tous les pilotes du jeu, arriver 15e, bravo à lui. Donc, on va aller en essai libre. Avec cette petite, enfin cette petite, cette longue McLaren qui est là. Alors, je vais aller dessus parce que des fois le skin il se change, on sait pas pourquoi. Et en même temps, ça me permet de voir donc 600 chevaux, 386 km/h. Donc je vais pas les atteindre hein, parce que j'ai mis tout sur l'accélération. C'est dommage, j'aurais peut-être pas dû. Hein. Moi, j'essaye plus tard, mais bon. Alors, allons-y. On prend celle-ci avec ce skin. C'est parti. Donc comme je disais, hein, 6,30, 6,34. Chapeau, parce que moi j'ai essayé. Je suis très loin de ça. Bon, vous allez voir combien je vais faire en vidéo. Moi je sais si je vais m'améliorer ou pas. Parce que je sais quel temps j'ai fait. Ça fait je crois une semaine, quelques jours qu'il m'a lancé le défi. Je jouais à d'autres jeux, donc j'avais pas trop le temps. Oh là, ce jeu est un petit peu fort. Donc je disais, je joue à d'autres jeux et du coup je me suis pas vraiment concentré sur Project Cars en ce moment. Wow! Oula! Elle est énervée, hein! Wow! Calme! Oh, c'est quoi ce délire? J'appuie à peine sur l'accélérateur, ça part direct. Ah oui! En plus, c'est ce que je voulais dire, c'est vraiment qui tout double celle-ci, c'est... Alors j'ai pas fait un petit tour, on va s'arrêter. On peut voir l'aileron, les courbes, cet avion de chasse devant. Donc c'est clairement une F1 GTR. Hein. Ils sont basés de ce modèle-là. Et puis là l'aileron, très très balèze. Donc long tail pour longue queue. Là je peux vous dire que il y en a sous le capot. Hein. C'est pas la petite A1 qu'ils nous ont donné gratuitement. En parlant de A1, donc j'ai vu qu'il y a un nouveau DLC qui est sorti. Il y a vraiment que l'Audi 90 qui m'intéresse. Les deux autres, LMP1, LMP2. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Au bout d'un moment, Audi, c'est bon. Il y en avait déjà eu, ils nous ont rajouté une autre. Bon, c'est bien. Une voiture en plus, on va pas se plaindre. 5 balles en plus le DLC, ça va, mais moi c'est plus le circuit et la Audi 90 là, puisque même pendant les bêtas je n'ai pas vu cette voiture, donc je me dis c'est intriguant. C'est-à-dire que les mecs ils bossent sur le jeu il y a quelques bugs, ils bossent sur des patchs, mais en même temps ils font des DLC et tout. Bien, peut-être que le DLC était déjà prévu, je sais pas, mais ça va, hein. Et en plus ils ont divisé l'équipe pour se mettre sur Project Cars 2. Non, franchement, c'est pas le portefeuille de Sony, c'est pas le portefeuille de Forza, mais chapeau à eux, hein. Quand je vois tous les mecs qui se plaignent, c'est dur. Franchement, c'est dur. Bref, donc Monsieur Alassane, 6,30, on va voir ce que ça donne ici, pour Oxydum, mais... Je savais pas que mes abonnés étaient chauds comme ça, là. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire vos chronos hein, ou à donner des conseils sur ce que je pourrais améliorer dans ma conduite ou dans les réglages, parce que j'ai fait quelques réglages, je me rappelle plus exactement ce que j'ai fait, mais tout conseil est bon à prendre. Vraiment, le son de cette McLaren, il est... Très agressif, hein. Ça part direct.
Oh, il est si belle. Il n'y a vraiment pas de secret. Je veux m'améliorer. Faut rouler, 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 rouler. Jouer au jeu. Un maximum de temps. Connaître bien le véhicule, connaître bien le circuit. Donc là, on est sur un circuit que je connais. Mais avec cette voiture, j'ose pas trop prendre de risques parce que c'est direct dans l'herbe. J'ai vraiment envie de poser une vidéo de qualité, pas me cogner, pas tomber la pelouse là comme je fais d'habitude. Donc après cette vidéo, il y aura une autre vidéo sur Project Cars, une autre sur Assetto Corsa et trois chapitres de Mortal Kombat parce que j'arrive vraiment à la fin. Hein. Et j'ai vraiment kiffé jouer à ce jeu là. J'aimerais bien qu'il fasse un film vraiment comme le jeu quoi. Tu veux une scène de combat. Après des bons acteurs hein, parce que là, depuis Mortal Kombat 2, il n'y a rien eu. Hein. Même Street Fighter, laisse tomber. Pour ceux qui veulent regarder, regardez, y a pas de problème. Hein. Qui veut me suivre. Ceux qui aiment pas Mortal Kombat, bah tant pis. Il devrait avoir aussi une autre vidéo sur NBA 2K. Donc NBA 2K pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu de basket. Donc là je suis sur le 15, il y a le 16 qui va sortir bientôt. Et voilà quoi. Hein. Nouveau setup d'ici peut-être 3 mois, si Dieu veut. Parce qu'il y a un déménagement qui se prépare. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de temps là pour les vidéos. Il y a beaucoup de choses à acheter. On part de zéro. On va faire un nouveau setup. Incessamment sous peu. De toute façon, dès que j'ai mis ça en place, je ferai une vidéo. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas remarqué, j'ai changé de casque. Donc, c'est le SteelSeries H. Donc, un casque sans fil. Qui est très très bon. On peut régler en son Dolby d'ailleurs. Ça envoie du pâté, comme on dit. Regardez un film avec ça, je vous dis. Être dedans quoi, un genre de, je sais pas moi, un genre de Terminator ou Pacific Rim, tu sais, vous savez, un film qui envoie, hein. Genre Transformers, bon, c'est des films bidons, mais bon, des films où c'est vraiment, il y a de l'action, il y a du son, il y a des trucs comme ça, des explosions de partout, bah, avec ce casque là, je vous garantis que vous allez kiffer. Bon, j'ai pas fait d'unboxing, je disais, ça en valait pas la peine, mais ça va, il y a de l'accessoire, casque est complet, il y a deux batteries fournies. Vous pouvez recharger, d'ailleurs il y en a une qui recharge là. Donc j'utilise celle-ci. Et c'est la première vidéo que je fais avec le casque. Donc je vais voir le micro, qu'est-ce que ça vaut aussi. C'est bien beau le son, mais bon, le micro il tient la route. Hein. Donc là on est dans la deuxième partie du circuit, la plus technique. Là, c'est ce qui va vous prendre le plus de concentration parce que là, ici il faut être vraiment au max quoi. Une seule erreur, c'est fini. Et là la fameuse ligne droite où je bloque la voiture à 281 je crois. On est loin des 386 qu'on peut atteindre. Je sais pas si c'est une bonne idée de mettre tout sur l'accélération. Pas dans les commentaires. Parce que je me suis dit, il y a plein de virages. Pourquoi mettre une vitesse de pointe? Mettre tout dans l'accélération pour bien repartir après les virages. Allez. Vue intérieure. Moi, je suis aux palettes. Hein. Donc, le mec à l'intérieur, il a un petit peu mode vitesse. Je préfère. Pour se mettre en condition conduite sportive quoi. La scène tu me dis hein, c'était condition. Toi tu m'as pas précisé qu'il fallait se mettre en mode pommeau. D'ailleurs je sais même pas si tu joues à la manette ou au volant. Bon, c'est parti.
Désolé si je parle pas, mais j'essaie de me concentrer. J'espère que la vidéo va pas couper parce que ça fait au moins, je crois, 8 ou 7 fois que j'essaie de la tourner. À chaque fois, le gâteau a bugué. Allez.
Aïe 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 aïe. Combien? 6,54. Franchement, Alassane, bien joué à toi. Malheureusement, j'ai pas pu te battre. T'as bien géré, moi j'ai fait quelques erreurs. Donc voilà, ça en a terminé pour ce défi-là. Donc merci de m'avoir lancé ce défi-là, hein, y a pas de problème. J'aime bien l'interaction qu'il y a entre youtubeurs et abonnés, comme j'avais dit là, dans la dernière vidéo. Bon, prochain défi, c'est Marco, sur Project Cars aussi. Lui-même, il sait de quoi je parle. Donc, on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, à plus les gars. Ciao!